Je m'appelle Arthur Levaillant, je suis navigateur, j'ai 34 ans et ça fait une vingtaine d'années que je fais de la course, de la régate. Et là, je me prépare pour participer à la prochaine route du Rhum sur ce grand bateau qui est juste derrière moi de 32 mètres, un ultime, qui s'appelle Mieux. Mieux, c'est un collectif d'entrepreneurs qu'on a réunis autour de cette envie de mieux entreprendre, de mieux consommer, de mieux comprendre le monde. Il fallait qu'on soit beaucoup plus transparent sur notre modèle et beaucoup plus clair sur nos impacts et montrer qu'on avait un champ de progression très grand sur différents sujets. LAVAC, c'est une association qui a environ 2 ans maintenant. Elle a été créée par des femmes et des hommes qui se sont retrouvés autour de cette idée de se dire que la course au large avait un rôle à jouer qui devait aller beaucoup plus loin que juste la performance sportive. Il y a une démarche de formation. On a besoin que nous, les marins, si on veut être rayonnant sur différents sujets, on a besoin de mieux comprendre le monde pour mieux s'engager. Et que tout l'écosystème de la course au large prenne bien conscience de l'impact qu'ils avaient. Donc on a essayé de pousser pour que les organisateurs de courses mettent en place différentes normes environnementales, mettre en place des éco-ratings demain. C'est-à-dire que demain, ce ne sera peut-être pas celui qui aura été le plus rapide, qui aura fini en premier, qui sera premier. Ce sera peut-être celui qui aura consommé le moins d'énergie à bord des bateaux, celui qui sera plus responsable avec ses teams à terre. Et donc, on aura des classements qui seront un peu différents de ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce qui est important de se dire aussi dans la course au large, c'est que nos bateaux n'ont jamais consommé autant de richesses pour la construction et pour l'utilisation. Ils devraient être complètement autonomes en énergie renouvelable, par exemple. Ce bateau sur lequel on est aujourd'hui, c'est un bateau de course. Demain, ça deviendra peut-être un bateau de transport à la voile. Il y a le fait de se dire que moi, sur mon bateau, j'essaie d'interdire au maximum les bouteilles en plastique. Donc pour moi, pour mes sponsors, pour mes équipiers et pour mon team, la course au large, c'est une course et c'est des projets qui sont des projets médiatiques. Utilisons cette médiatisation pour mettre en avant différents engagements comme ces sujets sur les déchets. Cette démarche d'être le plus sobre possible, d'être le plus écologique possible, de tendre à avoir beaucoup plus d'éthique, ça peut être fun, ça peut être joyeux, ça peut être assez magique et ça l'est déjà.